Bonjour, monsieur Alassane Baldé. Oui, bonjour, monsieur André. En préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEMET 2021, merci de participer à cette entrevue. Merci, merci à vous aussi pour l'invitation. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Alors, moi, je suis donc Alassane Baldé, titulaire d'un doctorat en sociodémographie de l'éducation. Alors, avant le doctorat, j'ai obtenu une maîtrise en sociologie de l'Université de Conakry en Guinée. Ensuite, un master, à l'époque, ça s'appelait les DEA, diplôme d'études approfondies en sciences sociales, et un doctorat donc de démographie et sciences sociales à l'Université Paris-Descartes. L'année suivante, donc en 2010, j'ai obtenu une bourse pour faire mener des recherches postdoctorales à l'Université de Montréal, où j'ai travaillé pendant 3 ans sur des questions en lien avec la réussite éducative des élèves issus de l'immigration au Québec. D'ailleurs, mes travaux portent essentiellement sur l'immigration, la réussite éducative des jeunes, la pauvreté, les politiques éducatives et les questions interculturelles, notamment dans le cadre des enseignements que je donne à l'UQAM, où je suis chargé de cours également. Alors, je suis auteur et co-auteur de nombreuses publications, dont des livres, des chapitres de livres, des articles de revues à comité de lecture, ainsi que des articles de vulgarisation et des rapports de recherche. Grosso modo, mes travaux se situent à l'intersection entre la sociologie, la démographie et les sciences de l'éducation. Merci beaucoup. Et quelles sont vos préoccupations en lien avec votre pays, votre région en ce moment? En fait, c'est un peu curieux qu'on me pose cette question maintenant parce qu'effectivement, depuis quelques temps, j'essaie de reconnecter avec mon pays d'origine. Disons que je suis parti de la Guinée en 2003 pour aller poursuivre mes études en France, ensuite au Canada, où je me suis établi avec ma famille, où j'ai commencé à travailler. Mais depuis un an, j'ai comme le sentiment d'un appel du pays. Et alors, j'ai fait un retour, enfin, j'ai entamé un retour progressif vers la Guinée, où actuellement je collabore avec une université publique qui s'appelle l'Université de Sonfonia, où on m'a confié la responsabilité d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le LASAG, Laboratoire d'analyse socio-anthropologique de Guinée, où je travaille avec une équipe de professeurs et d'étudiants. Nous sommes à peu près une quinzaine de personnes où on aborde différentes préoccupations sociales en lien avec évidemment la Guinée et puis des pays en développement de façon générale. Donc les questions en lien avec la santé, en lien avec l'éducation notamment, disons des questions de développement. Et d'ailleurs, de ce point de vue, actuellement, je mène une grosse étude sur la perception des parents face à la vaccination de routine, c'est-à-dire celle des enfants âgés de 12 à 23 mois pour cette étude-là. On aurait pu l'étendre jusqu'à 5 ans. Alors, ce qu'on essaie de comprendre, c'est que depuis quelques années, on est dans une situation de baisse continue des taux de vaccination en Guinée. Et curieusement, la même tendance qui a commencé en milieu urbain se retrouve en milieu rural, pardon, se retrouve en milieu urbain. Ce qui est paradoxal, parce qu'habituellement, en raison des niveaux d'éducation de la population urbaine et aussi des taux relativement élevés de personnes ayant un niveau de vie relativement acceptable, les gens ont tendance à vouloir se vacciner, à vouloir faire vacciner leurs enfants, mais on voit la même tendance qu'on a observée il y a quelques années en milieu rural se retrouver en milieu urbain. Alors, donc la Guinée, les autorités de la santé de la Guinée donc, ont décidé de mettre en place une nouvelle stratégie de vaccination spécifiquement pour le milieu urbain. Et ils ont voulu que la préparation de cette stratégie repose sur des évidences. Alors, c'est comme ça qu'ils ont donc fait un appel à candidature pour cette étude-là que le labo a obtenue, qu'on est en train de mener actuellement sur une zone qui est habitée par à peu près 3 millions de personnes. C'est une étude exhaustive
mais sur un échantillon représentatif, évidemment. Donc, ce sont des milliers de ménages qui vont être recensés et puis des centaines d'autres qui vont, auprès desquels vont être administrés, donc des questionnaires, ensuite des entrevues vont suivre, puis des focus groups. Donc, on espère qu'avec cette étude-là, on va saisir les causes profondes de la baisse de la vaccination en milieu urbain pour pouvoir alimenter la nouvelle stratégie qui sera mise en place pour essayer de relever les taux de vaccination en milieu urbain guinéen. Donc, voilà, grosso modo, je suis même ici actuellement en Guinée. L'entrevue se passe depuis Conakry, où je suis revenu depuis janvier. Donc, je mène sur le terrain cette étude-là. OK, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Alors, ce qui m'inspire en ce moment, c'est toujours, disons, la recherche. Hein. La recherche, je découvre de nouveaux champs, de nouveaux domaines. La santé, ça n'a pas toujours été mon domaine de prédilection. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'éducation. Donc, il y a ça qui m'inspire. Il y a aussi que je poursuis mes travaux au Québec, notamment sur une étude sur laquelle je travaille actuellement avec des collègues de l'UQAM, notamment Mira et Marina, qui est au département, Marina qui est au département de psychologie, et Mira qui est à l'école, à la faculté de communication, à l'école de langue de l'UQAM, mais aussi avec notre collègue de l'Université du Québec à Outaouais, Paul. On travaille actuellement sur un projet intéressant, notamment sur les questions interculturelles en lien avec la formation que nous menons à l'université. Donc, je suis encore dans les deux. Et puis, la recherche, ça me passionne. Et donc, je travaille là-dessus actuellement. Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur Alassane Baldé, pour cette entrevue. Mais c'est moi qui vous remercie, monsieur André.